Bonsoir, bonsoir, bonsoir et quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver comme chaque vendredi où on vous emmène dans les îles. Hein, c'est chouette, hein, Bonsoir. Pélage. Ah Bonsoir. oui, c'est génial. Bonsoir les mecs, bonsoir tout le monde. Bonsoir à la communauté des îles, les amoureux, donc les autochtones, tous ceux qui nous suivent. Donc au niveau de la zone Caraïbe, Océan Indien et Pacifique, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis pour vous emmener donc à la découverte de toutes ces îles qu'on représente, ces îles plurielles hein, qui ont tant d'histoires à nous raconter. Et justement, en parlant d'histoire, donc on reçoit deux invités aujourd'hui, donc qui viennent de On La en a même Réunion. trois parce que notre troisième est arrivé, c'est Ah, la troisième, elle est arrivée. Vololona, je crois. Non. J'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà, on va la découvrir dans un Ok, instant. Elle vient super. d'arriver. Effectivement, donc deux invités originaires de La Réunion et une troisième de Madagascar qui va venir nous présenter donc son activité, donc tourner autour de la tradition. On va vous parler de tradition ce soir pour vous emmener donc en voyage. J'espère que vous êtes bien assis chez vous. On démarre. Eh bien, on va découvrir tout de suite Rolande, qui est une Réunionnaise qui vit à Quimper en Bretagne. Bonsoir. Et Bonsoir. bonsoir Rolande. Bonsoir, Bonsoir. Roland. Bonsoir Hélène. Bonsoir Pélène. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Oui, on fait quoi? On présente tous nos invités tout de suite, Pélage, comme ça c'est fait? on va Allez. tous les présenter Et donc. puis, on va découvrir aussi Mao, qui lui est connecté depuis la Réunion. Bonsoir Mao. Bonsoir. Bonsoir, Mao. Comment ça Bienvenue. va? Ça va, les autres, et vous? Ah ben ça va super. Ah ben, comment il est? Comment il est? Ouais, Comment il il est la est? même. Il Il est est la la même. même. Bravo. En forme. Et puis nous avons, alors j'espère que j'ai bien prononcé tout à l'heure, Vololona. Voyons si j'ai bien dit. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, vous avez bien Oui. prononcé. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Bonsoir, Alors, est-ce que Lola. tu as possibilité, Vololona, de mettre un tout petit peu le son de ton ordinateur, peut-être un peu plus fort pour qu'on t'entende mieux? Là, ça va? Voilà, C'est vous un êtes là. peu mieux. C'est Ça bon? va un peu mieux. Vous entendez bien tous Oui. et toutes? Bon, parfait. Ouais. On a David qui nous dit bonjour. Un petit bonsoir à vous et une Oui, bonne bonsoir, émission. David. Merci, David. David était un de nos derniers invités sur une précédente émission et c'est un musicien. Et plus que ça, il est producteur. Enfin voilà, c'est un homme qui est multicasquette. David Samuel qui est à La Réunion nous dit aussi bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir David. Bonsoir Roland, salut mon ami Bonsoir, Mao. salut Samuel, comment David. il est? Ça va? J'ai Et l'impression de d'ailleurs, perdre une minute en français. Samuel nous a présenté Mao et c'est grâce à Samuel que Mao est là ce soir. Donc, Cédric aussi qui nous fait des gros bisous de la Bretagne. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Tu veux commencer par qui, Pélage? Est-ce qu'on prend Vololona en premier? Alors, on va commencer par Vololona, donc qui aura le Allez, privilège donc de. les Roland et Mao, on vous dit à tout de suite Ok. et on continue. Vous restez avec nous, hein, vous ne déconnectez pas. Hein, à tout de Non, suite. non, Il non. risque Moi, je pas. l'amène. Bon, parfait. Alors, Alors. nous avons Vololona. Je te laisse la présenter. Oui, bien sûr. Alors, Vololona, donc, c'est une musicienne, chanteuse, hein, donc, qui fait partie d'un groupe malgache elle va nous parler donc de sa musique, de la tradition donc qu'ils mettent en avant à travers leurs différents styles musicaux. Et la particularité, c'est que Vololona donc elle m'a contacté pour pouvoir bien faire connaître au monde entier donc leur style musical et aussi leur tradition. En tout cas, Vololona, on est ravis de t'accueillir ce soir donc dans cette émission donc quand les îles se rencontrent, où tu vas nous parler un peu de ta culture malgache. Alors, comment ton groupe est né? D'où est venue l'idée de créer un tel groupe et de mettre en avant ce style musical-là? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli Avec dans plaisir. cette émission. Et je suis aussi ravie de vous présenter les cultures traditionnelles de Madagascar. Ce n'est pas toutes les cultures, mais une partie des cultures de Madagascar. Tout d'abord, le groupe qui s'appelle Nkaibé Tatoato. Un caïbe tatouage, oui. Nkaibé Tatoato,
c'est un groupe d'hommes, en fait. C'est un groupe d'hommes, mais moi, je chante avec eux, mais pas tout le temps. Mais je suis avec eux en tant que manager. Et donc, Alors, oui. Je t'en prie, termine. Et donc, je vais résumer un tout petit peu ce que c'est notre groupe. Le groupe, ça vient de Mouramang. C'est dans l'est de Madagascar. Et le Betatouat, c'est une sorte de danse. C'est une danse traditionnelle, typiquement qui vient typiquement de Mouramang. C'est une danse qui se fait entre familles, en famille, et quand il y a des fêtes, des mariages ou bien des retournements de mort. Et les peuples qui viennent de Mouramang s'appellent des Bezanzan. Mmh. Et le Betatouat, c'est une danse, c'est la danse des Bezanzan. Et la musique, ça, je voulais envoyer les clips, oui. Là. On va passer un extrait tout à l'heure. C'est, oui, c'est ça. Dans le clip, on voit des gens anciens qui dansent le Betatouat. Et le Betatouat, ça fait longtemps qu'on n'a pas exploité ce genre de musique. Et on essaie de faire connaître au monde qu'à Madagascar, il y a des danses traditionnelles. Il y en a beaucoup, mais nous, on essaie de faire voir aux gens ce que c'est le Betatouat. Et c'est pour ça qu'on a donné le nom du groupe Betatouat. Quant au Ankaï, ça veut dire terre aride. Tanihai. C'est comme ça qu'on dit en malagasy. Tanihai. 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 Oui, c'est terre aride. Et ça vient de l'est de Madagascar aussi, Ankaï. Les gens qui habitent là-bas s'appellent Ankaï. Donc, les gens qui dansent le Betatouat, c'est ça, le Ankaï Betatouat. Alors, est-ce que le Betatouat, c'est issu d'un métissage, hein, donc lié au passé de Madagascar, à la colonisation notamment? Non, je ne crois pas que c'est lié à la colonisation. C'est typiquement malagasy. Mais comment est née cette danse? Est-ce que c'est quelque chose qui sort, qui vient de Madagascar profondément, des aînés de la tradition? Ou est-ce que s'il y a eu un apport extérieur, est-ce qu'il y a eu un mélange? Par exemple, aux Antilles aussi, on a des danses traditionnelles, hein, donc qui sont issues. Donc, des faits historiques, hein, donc par rapport à différents apports culturels, est-ce que c'est aussi le cas du Betatouat? On a déjà fait des recherches. On est descendu à la campagne surtout. On est descendu à la campagne de Mouramang pour demander aux ancêtres d'où ça venait le Betatouat. Et ils nous ont expliqué le Betatouat, c'est typiquement à Mouramang. C'est pour les gens de Mouramang, c'est pour les peuples de Mouramang. Et est-ce qu'il y a, quand vous faites cette danse, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que, par exemple, c'est que une fois dans l'année ou c'est tout à certains événements, par exemple un mariage ou un enterrement? Cette danse-là, elle est pratiquée à quel moment de la vie? Dans des festivités surtout, dans toutes les fêtes qu'il y a à Mouramang, il y a toujours des gens qui dansent le Betatouat. D'accord. Alors, je sais que vous avez beaucoup à Madagascar la culture du respect des aînés. Et notamment, on le voit bien, ça se traduit par rapport à l'événement culturel de retournement des morts, donc, que beaucoup ne connaissent pas.
Je sais que c'est très, très important à Madagascar. Comment ça se traduit justement la pratique de cette danse par rapport à cet événement culturel? Est-ce que c'est tous les participants, tout le public qui s'adonne à cette danse, ou est-ce que c'est des groupes spécifiques qui viennent lors des cérémonies pour pouvoir bien faire un spectacle, entre guillemets? Non, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui savent danser le butatoat. Ils sont tous là quand il y a des fêtes. Mais D'accord. c'est surtout les aînés qui savent bien danser le butatoat. Mais moi, j'ai du mal à le faire parce que je suis pas encore douée. D'accord, ça s'apprend quoi. Ce n'est pas Oui. inné. Il faut vraiment Oui. l'apprendre. Hein. Ah Nous a oui. rejoint Anke, Anke Un kai butatoat, c'est En fait, le c'est le lead nom du vocal. groupe. Oui, c'est le lead vocal de notre groupe là. C'est D'accord. Alors, Louva. ton micro, je ne sais pas si tu nous entends, Ankai, comme ça qu'on dit, c'est ça? Oui, un kai. Ton micro est coupé et tu es dans le noir. Si tu peux trouver une petite lumière et remettre ton micro pour que tu puisses Alors, intervenir. je te propose, Lénaïque, de passer l'un des clips en Ouais, on va attendant qu'il se passer ça. prépare, donc le Donc, deuxième membre hop, du groupe, allez. de manière à ce qu'on puisse voir donc comment ça se traduit. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau comme musique. C'est vraiment Merci. c'est très inspirant. Ça inspire, c'est une invitation au voyage, à la découverte, hein, donc de Madagascar. Et vraiment, je vous invite vraiment à découvrir ce groupe qui a envie de se montrer au monde entier. Allez, c'est parti. Parar, ya ni kucha kucha na makutu kutu kani kucha kucha kini bangrata ke pa sinza kama na pata pata kani afanai wakati 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 tungiza kuch kuch kamlai gara kam kitar arau si kabati sparar ya ni kucha kucha na makutu kutu kani kucha kucha kini bangrata ke pa sinza kama na pata pata kani afanai. Et que tu campes en zano, et tout la musique a pétatouato. Pétat, 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 pétatouato n'est pas un mal. Pétat, 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 pétatouato n'est pas un mal. Pétat, 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 pétatouato musique à la caille. Pétat, 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 pétatouato n'est pas un mal. Heka! Wanila na warne, kama nono fona. Refati itakwe na wando, kama tari mi tinta tinta ke, kama tari mi pita pita ke. Ente usu kampe sansano, itu munda musiki ape tatuato. Man manire, refati wanila na warne, kama nono fona. Refati itakwe na wando, kama tari mi tinta tinta ke, kama tari mi pita pita ke. Et puis tu campes en sano, et tout le monde s'y capait tatouato. Pétat, 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 pétatouato n'est plus un mal. Pétat, 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 pétatouato n'est plus un mal. Pétat,
petat 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 wa to musika na ka he petat 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 wa ti na sana he petat wa to pam 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 anu okona asa mutia pote 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 se betat 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 watune diamai betat 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 watune venemai betat 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 watu musika na kai betat 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 watin tazanai betat wat se zalai por mandam la loi de ru tazanai come on come on Waouh, moi j'avais envie de danser, ça a l'air facile, hein. Ça a l'air, je dis ça a l'air facile la danse. Hein. Oui. Donc ça, cette danse-là, on voit que les uns sont les femmes sont l'une derrière l'autre, donc il faut bien suivre ça, c'est-à-dire on peut pas danser cette danse chacun de son côté, quoi. Il faut suivre un protocole. À la queue leu leu. Oui, à la queue leu leu, oui. Alors, par contre, j'ai envie de te poser la question. L'instrument qu'on voit, qui est l'instrument principal, hein, ça s'appelle comment? Qui est assez Marouvan. Marouvan. Oui. D'accord. Ça s'appelle Marouvan. D'accord. Donc, c'est un instrument traditionnel, principalement de Madagascar. Oui, principalement de Madagascar. Et vous voyez le monsieur là qui joue l'instrument? Oui. C'est lui qui fabrique les Marouvan. Ah, d'accord. Ah, oui. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Moi, je propose juste de mettre un autre clip, peut-être. Oui. On va regarder le second clip. Allez, hop. Ensuite, comme ça. Je vous partage ça. Moi, je vais faire de la danse aussi comme ça. Allez, c'est parti. Et en plus, on voyage à Madagascar en même temps. Donc c'est bien. Voyage, comme je vous disais. C'est magnifique en plus, les images. Ouais, c'est super beau. Levo, 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 levo,
mis tout le monde parce que j'ai vu qu'il y en a qui dansent. Vous êtes tous à l'antenne. Super. Alors, Mao, ouais, toi qui as l'habitude des musiques, là, tu connaissais cette musique de Madagascar? Non, pas forcément celle-ci, mais le rythme me parle parce que Madagascar, c'est quand même une des origines de la Réunion. Le peuplement de la Réunion s'est fait à base, une des bases, c'est Madagascar. Donc moi-même, j'ai les origines de Diego Suarez. Ma famille s'appelait Pedro. Enfin, il y a encore des Pedro, mais j'ai un petit bout de racine malgache et je suis jamais encore allé là-bas. Et cette année, il y a un projet, peut-être, je vais aller du côté Isat, l'aéroport, voilà. Et puis après, on va monter sur Diego. Voilà, bon, en tout cas, je suis content. Tu as une copine à aller voir maintenant, hein, c'est voilà. Vous, hein. Oui. Bravo, en tout cas, parce que… Quelle bienvenue, hein. OK. Madagascar, c'est vraiment… C'est vraiment, comme je disais, une des bases, parce que au début du peuplement de l'île, on a tous, nous réunionnais, une grand-mère commune qui est arrivée au début du peuplement de l'île avec des colons français et qui ont commencé à peupler l'île. Donc, le peuple réunionnais est très métissé. On peut pas parler de la Réunion sans parler de Madagascar, c'est ce que tu veux dire. Exactement, quoi. Exactement. Alors, ce que j'ai envie de savoir, Mao, justement, par rapport, puisqu'on parle de tradition, est-ce qu'on retrouve certaines influences malgaches à travers donc les musiques que vous écoutez à la Réunion, à travers bien la tradition, les musiques traditionnelles de la Réunion? Oui, tout à fait. Les groupes ici s'inspirent du rythme de la vibration malgache, c'est indéniable. Pas tous, mais il y a des, comment dirais-je, il y a des métissages qui se font. Et nous, notre base, c'est le maloya. Enfin, une de nos bases, c'est le maloya. Mais la musique malgache est présente. La reconnaissance de nos origines se fait de mieux en mieux. J'en prends pour preuve à Saint-Paul. Il y a sur le front de mer, il y a quelques années, ils ont inauguré une stèle qui rappelle le peuplement de de la Réunion et qui est dirigé vers la côte malgache. Alors, on rappelle que Mao, donc tu es organisateur donc d'événements culturels donc à la Réunion. Donc d'une certaine manière, tu mets en scène plusieurs groupes
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se fait le choix de ces groupes par rapport aux événements que tu organises? Est-ce que Ok, très justement, bien. il y a des groupes malgaches qui viennent se mettre en scène? Alors, j'ai pu monter, en fait, il y a quelques années, j'avais déjà expérimenté le principe que j'ai pas déposé de copyright, c'est-à-dire à la Réunion, la culture doit s'ancrer. Et comme je dis toujours, si on ne travaille pas nos racines, on n'aura pas de fruits. Donc, la culture réunionnaise est jeune, elle n'a que 350 ans, on va dire. Mais elle a l'avantage de venir des cinq continents. Et ça, c'est exceptionnel parce que ça donne un métissage vraiment très intéressant. Et à la cour, il y a quelques années, et au four maintenant que j'ai mis en place, j'accueille tous les styles de musique, tous les styles d'art, tous les, comment dirais-je, toutes les formes d'expression, en fait. Les grands savants vous diront que c'est un lieu de lien social. Voilà. Donc, en fait, pendant les événements musicaux, on accueille tout type de musique et ça permet de pouvoir se faire rencontrer les gens, en fait. Et j'ai Et de cru pouvoir. comprendre que tu cuisinais pendant ces événements aussi, non? Oh. Exact. Je suis un adepte du carré feu de bois. Et c'est vrai que c'est une des traditions de la Réunion. C'est vraiment notre boucan. Et on arrive à faire redécouvrir cette cuisine-là depuis un bon bout de temps. Maintenant, ça y est. Et on peut cuisiner au feu de bois un tas d'affaires, hein. Même des trucs Oui. oreilles, je les fais au feu de bois, ça passe bien aussi. Tu veux dire un bœuf bourguignon? Oui, ou un bœuf carotte. Qu'est-ce que j'ai cuisiné dernièrement? Eh ben, un plat nigérian, parce qu'il y a un film qui se tourne à La Réunion, là, Disco Boy. Ils ont pris La Réunion comme décor pour un tournage qui devrait se passer au Nigeria. Donc, ils m'ont demandé, comme je connais un peu le monde du cinéma, ils m'ont demandé de cuisiner pour eux. Et pas que, mais je leur ai prêté en fait aussi des objets, parce que j'ai un petit musée longtemps, et ils recherchaient des objets africains et anciens. Donc, ils sont venus chercher des objets pour leur décor de film, et ils m'ont demandé de faire la cuisine. Donc, voilà. Là, j'ai au feu de bois, je leur ai fait un truc nigérien que j'ai livré. Là, ils étaient très contents. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par rapport à ton musée longtemps? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est quoi comme objet que tu gardes Alors, précieusement? ce sont des objets de la vie de tous les jours, en fait. C'est les cafetières, par exemple, parce qu'à la Réunion, on a une grosse tradition de café. Donc, des objets liés au café, après des Vous avez objets logé liés les à la meilleurs culture. cafés au monde. Pardon? Je disais d'ailleurs, je rappelle que vous avez l'un des meilleurs cafés au monde qui se vend à prix d'or. Ah, exactement. Le Bourbon pointu Voilà. est reconnu mondialement. D'ailleurs, il y en a un pied dans la cour. C'est un Donc, café tout à l'heure, je exceptionnel. t'ai observé boire ton café. C'est ton café, le café de ton jardin, de ton caféier. Non, malheureusement, Ah. j'ai pas assez de production dans la cour, mais j'ai des camarades qui me livrent du café vert que je grille moi-même au boucan. Et ben voilà. Ça me donne un café d'exception. En tout cas, Alors, il y a mesdames Sylvie qui est ta et messieurs, cousine qui t'envoie le bonjour, hein. ah, super, merci. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs qui nous rejoignez, donc on vous présente donc une émission spéciale Océan Indien, où, à l'occasion de laquelle donc on met à l'honneur donc Madagascar avec le groupe Ankai Beta Toato, donc une danse et une musique traditionnelle. Hein, donc, Vololona, elle a fait. Oui, c'est bon. Merci Vololona de nous avoir fait découvrir cette musique et cette danse. tout à fait, tout à fait. Et puis deux autres invités de marque de La Réunion qui vont nous parler aussi. Donc d'un De la côté, donc Réunion de. Fernand Roland, donc, qui va nous parler Ouais. donc de sa vie à La Réunion, et aussi Mao Toato et Mao Tao qui est organisateur de spectacles culturels. En tout Voilà. cas, Qui, c'est Roland. Mao, c'est toi qui as un chat? Ah non. Ah, j'ai Ah. entendu un Mao. Oui, moi aussi, j'ai entendu un petit maou.
Bon, en tout cas, on parlait de ta cuisine, Mao, mais Rolande, qui vit aujourd'hui en Bretagne, est une spécialiste du curry aussi. Hein. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est une passion cuisinée, réunionnée, hein, en fait, réunionnée, on va dire, la Réunion, c'est vraiment un mélange. Donc, la cuisine, ça s'en ressent aussi, on trouve un peu de tout. Donc, c'est un plaisir d'utiliser des produits et de mettre en valeur ces produits-là. Donc, et en plus, comme il a dit Mao tout à l'heure, quand on cuisine au feu de bois, ça donne un autre goût. Ça donne vraiment une touche, un petit goût fumé, un petit goût autre chose là que on ne retrouve pas dans la cuisine qu'on fait ailleurs, quoi. Voilà. On disait justement, c'est une particularité qu'on retrouve au niveau des îles, parce que aux Antilles, on cuisine au feu de bois également. Je crois qu'en Polynésie également. Ah donc, oui. Alors, nous, on fait même des fours dans la terre. Donc Ça c'est top, ça. Le cochon sur le table. Oui, là, ça c'est. C'est vrai que ça, nous, on a perdu cette tradition-là. On faisait, par exemple, avant le pâté créole au feu de bois. On faisait un trou dans la terre, on préparait le pâté créole et ensuite on mettait dedans, entre des feuilles de banane pour cuire. Et ça, par exemple, ça se fait plus, c'est fini, quoi. Parce que ça demande beaucoup de travail aussi. Oui, oui. Tout à fait. Vous, Lolona, est-ce que vous pratiquez cela également à Madagascar, la cuisine au feu de bois ou Oui, tout à fait. Et dans la terre aussi, vous faites des trous pour faire cuire des aliments dans la terre? Personnellement, je n'ai pas encore vu, hein, mais des viandes, pour cuire les viandes au feu de bois. Hein, ça, c'est, oui, c'est des viandes au feu de bois, oui. Oui. nous avons Rosie qui nous dit, en Martinique, on peut faire un trou dans la terre pour le poulet boucané. Ça doit être bon, là. On voit qu'il n'y a que des gourmands ce soir, en fait. Des gourmands. De toute façon, dès qu'on parle de cuisine, gastronomie, forcément. Ça, voilà, c'est ça. D'ailleurs, elle dit, j'ai vu ma cousine le faire. Donc, c'est vrai qu'on est, nous, cette émission-là s'appelle Quand les îles se rencontrent. Et l'objectif de cette émission tous les vendredis, c'est vraiment de parler des îles de l'océan Indien, des îles des Antilles, des îles du Pacifique, donc la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, on voit, bien que nous soyons très éloignés les uns des autres, on voit qu'il y a des points communs qui sont extraordinaires. Complètement. On parlait de boucané, pareil, le boucané, c'est aussi, on va dire, une particularité aussi qu'on fait. À La Réunion. À La Réunion, et il y a quand même une certaine ouverture, en fait. À l'origine, il n'y a que le porc, en fait, le porc boucané, en fait, on appelle ça boucané. Et de plus en plus, on va vers autre chose, on va fumer d'autres viandes. Le poulet, ça s'ouvre. Le poisson aussi. Voilà, et la cuisine s'enrichit encore de plus en plus, quoi, au fil du temps. Donc toi, à La Réunion, Rolande, tu étais propriétaire d'une maison, tu étais maison d'hôte, et donc tu cuisinais, et évidemment tu cuisinais la cuisine de La Réunion. La cuisine de La Réunion, oui, au feu de bois. Une cuisine, mais une cuisine un peu, comme je disais tout à l'heure, innovante, quoi. Donc utiliser tous les produits et puis avec toute cette richesse qu'on a, donc mettre ça en avant, valoriser et puis je recevais beaucoup de touristes, c'était pour moi, je disais souvent, en fait, j'avais plein de cobayes qui venaient et donc c'était un plaisir de se laisser aller, de se lâcher, de faire profiter à tout le monde, quoi. Oui, c'est un régal. Et tu as pris cette tradition de La Réunion, de l'île de La Réunion, de ton île, où que tu sois, c'est-à-dire que même si tu n'as pas tout à fait les mêmes produits, tu continues à cuisiner réunionnais où que tu sois. Ah oui, tout à fait. Surtout la base en elle-même, enfin, il y a une manière de préparer, de cuisiner. Donc, on n'a pas les produits, par exemple, si on va chercher le tijac, il y a des produits qu'on ne va pas trouver forcément ici, frais. Mais avec ce qu'on a,
on continue quand même la cuisine qu'on aime, peu importe où on est, on continue quand même à le faire partager, quoi. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous dit « Je déguste actuellement du boudin entier, succulent. » En fait, on a donné envie à manger à nos spectateurs. Voilà. À la Réunion, on dit non, le boudin réunionnais, c'est le meilleur, quoi. Ah oui, là ouais, c'est comme la vanille. Alors attention, parce que on dit que la vanille de la Réunion, elle est la meilleure, celle de Madagascar, elle est la meilleure, mais à Tahiti, on dit la même chose. C'est la Réunion meilleure. Bon, mesdames. Non, à nous-mêmes, le top. Excusez-moi de vous dire, mais chez nous, c'est riche et varié. Ah. Oui, c'est ça. Je crois qu'une des caractéristiques de l'outre-mer, c'est notre diversité. Un chanteur. Maximin Boyer, qui est un bon camarade, paix à son âme, m'avait dit un causement, c'est notre bâtardcité, notre force, c'est-à-dire notre métissage, c'est notre force. Parce que, je prends exemple dans la cuisine, parce que la musique, c'est pareil, mais la cuisine, c'est fantastique, parce que les 5 continents ont amené leur cuisine. Ils ont amené leurs épices, ils ont amené leur tisane. Et donc, ça fait un territoire très, très riche. Et l'inventivité, le génie réunionnais fait que on peut avoir des bases, on va dire traditionnelles, et avoir des méthodes et des présentations un peu plus modernes maintenant, parce que les gens, comme le dit Roland, ouais. Voilà, aiment un peu les nouvelles présentations culinaires, mais la base reste la cuisine du monde, en fait. Oui. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce soit les humains, la nature, la cuisine, la musique, nous avons cette chance et cet avantage. Moi, je dis, c'est un avantage de pouvoir vivre ça. Et Roland, elle le lâchera pas. Elle a beau être à l'autre bout de la planète, elle mangera son rougail et saucisse. Elle fera son boucanet. C'est ça qui est intéressant. C'est comme moi je mange du poé, je mange du poisson cru, voilà. Et vous partagez après votre culture. Alors, voilà. D'une certaine manière, lorsqu'on s'expatrie, donc on veut garder cette attache, donc à la culture. C'est ça. À la culture. Tout à fait. Et donc, forcément, donc on a tendance à perpétuer cela, donc à travers nos pratiques quotidiennes, et aussi transmettre à la génération. C'est ça. Et c'est apprécié aussi. Hein. On dit, enfin, des îles, mais moi qui habite ici à Quimper en Bretagne, eh ben, je découvre je découvre des recettes que nous on fait à La Réunion et qu'il y a également ici. Ah, d'accord. Mais c'est ce que nous disait notre invité la semaine dernière, qui est anthropologue, qui nous disait, par exemple, aux Antilles, il y a des plats, les Antillais pensent que c'est un plat antillais. Sauf que, en fait, si on va chercher la racine, c'est un plat qui venait des Normands, ou c'est un plat qui venait de notre région. Ouais. C'est ça encore. C'est ça, quand je regarde ici en Bretagne, on trouve du rhum arrangé, on trouve des, enfin peut-être ils emploient pas tellement le même mot, mais des achats ou des trucs comme ça qui ressemblent à ce que on fait à La Réunion, et pourtant c'est spécifié spécialité d'ici, quoi. Donc on est un peu partout. Il faut reconnaître que il y a beaucoup de Bretons, par exemple, peut-être aussi d'ailleurs, qui sont venus à La Réunion, et La Réunion, ça fait vraiment ce mélange-là qui fait que c'est une richesse, c'est une force, quoi. Vous mangez des crêpes aussi à La Réunion? Oui. Oui. Et alors, dernière fois, il y a un gars qui est arrivé avec les crêpes avec les saucisses de Morteau. Vous connaissez ça? Ah, oh, ça c'est bon, ça. Ça, c'est excellent. Ouais. Eh bien, j'ai des camarades pour adapter avec les saucisses créoles. Donc, il fait sa pâte à crêpes, là, et puis dedans, au lieu de mettre de la saucisse de Morteau, il met un bon boucanet, que ce soit du poulet, parce que Roland a raison, maintenant, on arrive à tout boucaner, donc, que ce boucaner, soit... Là... Boucaner, ça veut dire juste fumer, en fait. Oui, c'est fumer. Oui, c'est ça même. Ouais, ça. Voilà. Et ça. Donc, voilà encore un exemple de l'adaptation. Et de la continuité du métissage.
C'est ça. Et tout à l'heure, Mao, vous l'avez parlé, enfin, je vais parler en français, pardon. Tu avais dit que tu avais mangé. Il y a le traducteur, hein, juste en bas. Oui, voilà, on a des traducteurs, il y a Mao qui peut traduire. Ok. Tu as dit que tu avais mangé le tang. C'est pour de vrai? Ah. Pour de vrai? Oui. C'est quoi le tang? Oui, le tang, c'est un, on va dire, un petit hérisson qu'on trouve dans nos forêts. Originaire de Madagascar. Oui, à Madagascar aussi, il est originaire de Madagascar, le tang. Et c'est délicieux. Ah oui, en carré. Ça a goût de quoi? Alors, ça a un goût de tang. Non, en fait, ça dépend si c'est de l'élevage ou si c'est en pleine nature. En pleine nature, c'est un petit goût de gibier. D'ailleurs, il y a une légende qui dit que les gens pas habitués au tang, si c'est pas bien paré, après vous sentez le tang, mais c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Il faut savoir préparer en fait. Voilà, c'est ça. Il faut savoir préparer. Voilà, mais on enlève une partie à l'intérieur, au milieu, et puis après il y a pas d'odeur, sinon c'est une odeur vraiment très très forte. Mais ouais, la particularité, c'est que on cuisine ça, en général au feu de bois. Hein. Ensuite, traditionnellement, on va mettre sur une table, on va mettre des feuilles de banane, et puis on va tout mettre, le riz, le tang étalé sur la table. Et là, tout le monde vient avec les mains manger autour de la table ensemble. Ça, c'est un truc vraiment traditionnel, typiquement. C'est comme ça aussi à Madagascar, Vololona? À la campagne, peut-être, mais... À la campagne. Il va plus y avoir trop de tang dans les villes. Et pour toi, paradoxalement, ça vient de Madagascar. Ah oui? Ah, oui. Ah, d'accord. Eh ben. Moi, alors, non, alors il y a Cédric qui dit c'est du thon. Non, c'est pas non du thon. Non, 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 c'est une sorte de hérisson. Voilà, donc en fait, c'est plus un gibier. Donc, ça aura plus un goût de... Enfin, c'est de la viande, hein, c'est de la viande, donc ce sera un peu comme, on va dire, un peu cerf, du... Très fort, très mélange. Voilà. Est-ce que, par exemple, moi, je viens du Pacifique, où j'ai grandi aussi, au Vanuatu, donc les anciennes Nouvelles-Hébrides, où on mange de la chauve-souris. Est-ce qu'à La Réunion ou à Madagascar, on mange de la chauve-souris? Non, pas à Madagascar, oui. Parce que ça, c'est une viande qui sort... Qui a une odeur très particulière, et là aussi il faut vraiment savoir la préparer, sinon c'est très très fort, quoi. Moi, j'en ai goûté il y en a qui en mangent. Tu en as goûté, Pélage? Aux Seychelles, oui. Aux Seychelles. Et toi, Vololona? Non, j'ai pas encore goûté. Non. Et Mao, toi, t'as goûté la chauve-souris? Non, parce qu'ici celle qu'on mangeait a disparu. Ah, vous avez trop mangé de chauve-souris, en fait. En fait, il en reste un petit peu à Maurice, mais c'est plus trop, comment dire, je suis plus trop pratiqué. Excusez-moi, je suis en train de refaire le montage du studio parce que là, j'avais plus d'énergie dans le téléphone. Voilà, ah, donc voilà, rebranche. Voilà. Il nous reste un petit quart d'heure d'émission, ça passe très très vite, hein. C'est toujours comme ça, hein. On a une heure d'émission, et ce soir, je vous le rappelle, nous sommes dans l'océan Indien, donc Vololona représente l'île de Madagascar, et Roland Desmao représente l'île de La Réunion. Donc si vous avez des questions pour eux, bien sûr vous pouvez les poser en commentaire. Moi, je voudrais te poser une question, Mao, concernant la tradition, parce que tu disais que l'île de La Réunion, c'est alors, finalement plusieurs cultures. C'est ça. Il y a un petit écho. Oui. Il y a un petit écho, ouais. Ça vient de chez Mao, je crois, non? J'ai l'impression. Ah. Le fait que tu aies branché, je ne sais pas. Ah, peut-être, oui. J'ai rebranché le chargeur. Est-ce que ça pourrait influencer? Allô? Oui. Ouais, c'est vrai qu'on me réentend en écho, mais est-ce que ça vous gêne vraiment, là? Non. Ça va? Ok. Donc, en fait, ma question, Mao, c'était du fait que les traditions à La Réunion viennent de plusieurs continents, est-ce que toi, tu as une préférence dans une tradition ou une autre? C'est impossible. Franchement, honnêtement, quand je vais à un kabar ou quand j'organise des kabars, c'est le maloya. Le maloya, c'est le beat, c'est le tambour,
c'est la partie africaine, on va dire, en résumé. Donc ça, que vous soyez africain, réunionnais, japonais, le tambour, c'est la vibration. Et même les Bretons, ils ont des tambours, hein. Oui, voilà. Oui, oui. Après, et les Tahitiens aussi. Aussi. Donc ça, c'est vraiment universel. Ouais, le gros cas, exactement. Quand j'écoute la musique chinoise, parce qu'on a des Chinois à La Réunion, ça me transporte parce que j'ai des origines vietnamiennes. Quand j'écoute les pattes jaunes à La Réunion, il y a ce qu'on appelle les blancs des hauts. Et les blancs des hauts, ils ont une tradition musicale, on va dire, européenne, avec de la polka, on va dire, c'est allé presque jusqu'au Sega, c'est du violon, de l'accordéon, etc. Et ben, Pat Jones, par exemple, qui est un groupe emblématique, peut-être vous connaissez, moi, ça me fait vibrer aussi. Donc, je peux pas vous dire, je préfère ça ou ça, parce que, comme je vous ai dit, les artistes à La Réunion, ils sont multiples, ils sont talentueux et c'est extraordinaire parce que le métissage musical, quand on est dans un style bien précis, c'est extraordinaire. Et dès que ça commence à métisser, mais c'est encore mieux parce que à La Réunion, on a du samba maloya, on a du metaloya, on a on arrive à… Attends, du metaloya, ça veut dire quoi? C'est un truc genre comme ça, oui, mais à La Réunion, exactement. D'accord. Exactement, il y a des groupes de metaloya à La Réunion. Il y a, oui, il y a même, il y a des groupes de danse, il y a du, je vous dis, on arrive à métiser. Alors, un des premiers qui a ouvert la voie, c'est Tifop. Alors, c'est quelqu'un qui a introduit l'électrique, on va dire, dans le maloya. Et ça a donné une, comment dirais-je, du maloya électrique. Mmh. Et si on va vers le moderne, il y a un DJ qui s'appelle Jaco Marron. Et Jaco Marron fait du trip hop maloya. C'est de la musique moderne, boum boum, mais derrière il y a une base maloya. Mais justement, est-ce que au niveau des anciens, est-ce que c'est bien accueilli? Toutes ces transformations au niveau de la tradition. Ok, alors la tradition musicale, c'est comme la langue, ça évolue. Si on n'accepte pas l'évolution, on va se perdre. Après, moi, midi à l'affaire, il faut pas trop qu'on se dilue. C'est-à-dire, gardons notre maloya traditionnel, notre sega traditionnel et tout ça, mais comme nous sommes une terre d'accueil, on peut pas refuser les autres, on peut pas refuser l'influence musicale des autres. Et moi, je pense personnellement que la culture, la musique, etc., est un vecteur de rassemblement des peuples. Et à travers ça, je pense que c'est une façon de connaître l'autre, c'est une façon d'apprécier l'autre. C'est comme la cuisine, c'est pareil, c'est le même train. Et pour cause, hein, vous êtes un bel exemple du vivre ensemble à La Réunion, donc à travers toutes ces convergences culturelles, oui, ce métissage, ces différentes influences qu'on retrouve hein, donc un peu partout. Donc on a dit tout à l'heure donc au niveau de la gastronomie, au niveau de la musique, et vraiment, chapeau, puisque vous êtes l'une des rares régions au monde qui permet donc cette convergence aussi culturelle donc, par rapport aux différentes religions. Qui se croisent et s'entrecroisent et qui génèrent une communauté, le vivre ensemble. Ouais. On porte bien notre oui, nom. Oui, après. La Réunion, oui, vous portez bien votre nom, oui. Ah, oui. Cédric dit j'adore Jaco Marron. Ben, il a raison, parce que c'est vraiment du top. C'est du high level, comme disent les Anglais. Alors, par exemple, petite anecdote, pendant le confinement, Jaco Marron et ses camarades avaient ça faisait 2 ans qu'ils avaient lié avec un festival Nyenge Nyenge en Ouganda. Malheureusement, avec le confinement, ils n'ont pas pu aller faire le festival. Mmh. On a fait une soirée au four, on a filmé et on a envoyé les images. Chouette. Donc, là, ça c'était un super projet. Et pour en revenir à notre métissage, encore une fois, ça nous permet d'être fort, d'être adaptable, d'être
je cherche mes mots, mais c'est une façon de montrer au reste du monde en fait que il y a pas de frontières. La culture, l'art en général brise les frontières. Et dans les temps qui courent là, je pense qu'en ce moment, il faut qu'on nous travaille ça, parce que c'est indispensable pour notre cohésion, pour notre. Et ce que vous faites vous, c'est super parce que c'est du partage. Tant que nous sommes dans le partage, on a gagné. Mais justement, en parlant de frontières, en parlant de partage, de transmission, elle ce soir, donc elle a voulu faire connaître son groupe, hein, donc l'état de Toato, donc qui est une danse traditionnelle donc de Madagascar. Comment vous arrivez donc vous êtes un peu d'une certaine manière limité pour pouvoir vous faire connaître davantage, en tout cas au reste du monde. Quelles sont les actions qui sont mises en place pour pouvoir s'exporter, s'expatrier toujours? Là, on essaie de partager sur les réseaux sociaux tous nos produits. Ce qui veut dire les deux clips. On n'a pas encore fait beaucoup de clips, on n'a que deux pour l'instant. Mais on a déjà fait un album audio qui est sorti le 22 octobre. Et là, on essaie de. C'est pour ça que j'ai contacté Pelage. J'ai regardé sur Facebook, je regarde sur Internet et j'essaie de contacter toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par les musiques traditionnelles. En tout cas, c'est super ce que vous faites. On constate également que vous êtes globalement quand même assez jeune. Est-ce qu'il y a un réveil qui se fait donc, au niveau de la jeunesse pour pouvoir mettre en avant sa culture, sa tradition et montrer aux autres que nous aussi on existe? Oui, on essaie de montrer aux gens, même jeunes, on est capable de faire montrer, de montrer au monde qu'on a des cultures anciennes qui n'est pas morte mais qui existent encore. Et qui persistent encore, mais qui attendent tout juste que quelqu'un la fasse sortir. Mais ça y est, elle est sortie là, elle est partie dans tous les continents ce soir. Là. Et c'est grâce à vous et merci. Merci. Personnellement, cette musique-là, moi, ça m'a fait bouger. Hein. Ça m'a rappelé un petit peu le Sega en fait, avec le rythme. Le rythme qu'il y avait derrière, c'est le Sega. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, donc il y a beaucoup plus de facilité pour pouvoir faire découvrir cette musique-là. C'est bien de pouvoir faire ça, parce que le Sega en lui-même a pris du temps avant d'être reconnu. Quoi. C'est bien le travail que tu fais maintenant. Ça peut que progresser. Et oui. Merci. Et continuez parce qu'en plus vos clips sont magnifiques. On a eu des commentaires en disant mais quel on voyage déjà avec les images et puis ensuite avec la musique. Ça donne envie. Merci. C'est magnifique. En tout cas, je pense que nos amis de l'océan Indien, des Caraïbes, du Pacifique auront le plaisir de découvrir hein, donc le groupe. Ankai et Beta Toato. Ankai. Alors, oui. Alors, pour la petite histoire, Ankai en créole des Antilles, c'est on y va, Ankai, j'y vais. Ah, Ankai, oh, ok. Ah. Ça veut dire la même chose? Non, pas du tout, hein, à Madagascar. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment, c'est un plaisir de découvrir ce style musical.
Bon, eh ben, on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste à nous dire au revoir. Mais alors, vous, nos invités, vous restez avec nous. Hein. Nous, on donne rendez-vous, bien sûr, à tous nos spectateurs ou web spectateurs de nous retrouver la semaine prochaine à partir de 19h. Ce sera à partir de 19h. Et là, c'est le fond, on va partir dans le Pacifique pour vous amener découvrir d'autres personnes, comme chaque semaine. Pour faire découvrir un petit voyage, un petit tour donc du monde. Oui. Donc, nous aurons d'ailleurs quelqu'un qui viendra qui habite. Alors, elle est originaire de métropole, mais qui habite depuis des années aux Marquises. Et nous aurons également quelqu'un de la famille royale de Wallis. Donc, c'est un super programme aussi qui nous attend la semaine prochaine. Alors, merci à tous nos invités. Merci à vous. Les trois régions sont représentées ce soir. Oui. Merci Azad. Merci. Et comme dit Créole, nous tient beau, nous largue pas. Croyez en vous. Nous sommes forts et le monde nous envie. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je crois que la valeur réunionnaise, la valeur de l'outre-mer, des outre-mer, n'est plus à démontrer, ne serait-ce que, regardez, au niveau de la nature, 80% de la biodiversité française, c'est l'outre-mer. C'est le Brésil, c'est la Réunion, c'est la Guadeloupe, les Antilles, tout ça. Oui. Alors, travaillons notre culture et il faut pas qu'on disparaisse, c'est tout, parce que on a tellement de belles choses à montrer au reste de la planète. Tout à fait. Merci à toi. C'est le bon mot de la fin. Oui, oui. Reste avec nous, Mao, ne te déconnecte pas. Alors, merci, Vololona, reste aussi avec nous et Roland aussi. Hein. Ok, merci à tous. Merci à tous. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Eh oui, alors attends, parce que j'ai mis nos invités de côté juste le temps, évidemment, qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Pélage. On peut aussi annoncer qu'il est possible que dans les semaines et mois à venir, nos rendez-vous puissent changer. Oui, d'horaire ou de jour, mais en tout cas, on gardera toujours un temps pour donner la parole à tous les ultramarins que nous sommes, que vous êtes, pour pouvoir faire découvrir toutes nos îles. Hein. C'est très, très important, effectivement. Donc, il y aura probablement un petit changement au niveau de la programmation de l'émission. Hein. Donc, on sera amené à communiquer dessus pour vous donner donc les nouveaux rendez-vous, enfin, la nouvelle date par rapport aux nouveaux rendez-vous. Cela dit, Lénaïk et moi, on a vraiment à cœur de vous faire découvrir donc toutes ces contrées, toutes ces histoires et ces belles rencontres donc avec ces personnes qu'on invite. Et l'émission continue. On compte sur vous pour liker, partager, parler de cela autour de vous, à vos familles, à vos proches, et aussi à nous aider à faire connaître le monde des îles, le monde insulaire. Et oui, il faut inviter vos amis, la famille, les collègues le vendredi. On a besoin de vous aussi, hein, parce que cette émission est pour vous, mais on a besoin que vous partagiez la bonne parole, on va dire ça comme ça. Hein, donc. Oui, voilà. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, oui. Partagez vraiment tous ces rendez-vous. Vous le savez qu'en ce moment, c'est tous les vendredis, c'est à 19h. Donc, ce soir, nous étions dans l'océan Indien. La semaine prochaine, on part dans le Pacifique. Donc, on vous embrasse et on vous remercie encore mille fois de nous regarder en direct ou en replay et de continuer à parler des Outre-mer. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Salut tout le monde. N'hésitez pas à liker, commenter. Et on vous dit à très bientôt. Bon week-end à vous. Et on vous aime.